Bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Biogeau, je suis directeur du golf et directeur de l'enseignement au golf PGA France du Vaudreuil. Nous espérons que vous allez bien, que les annonces ont l'air plutôt sympathiques et on a bon espoir de reprendre notre activité assez rapidement et que vous puissiez, vous surtout, rejouer dans les golfs assez rapidement, avec bien évidemment certaines contraintes, mais je pense qu'on est toutes, vous êtes toutes et on est tous prêts à avoir ces contraintes pour recommencer à jouer. Donc plutôt positif, mais je pense qu'il faut qu'on soit hyper vigilant, qu'on soit hyper, qu'on reste chez nous pour vraiment avoir la chance très rapidement de pouvoir retourner sur le parcours. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, ça va être un live super intéressant. On va parler de la routine avec Arnaud Vérac. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Alors Arnaud, aujourd'hui on va parler d'un sujet, ça, on engage notre, je crois, notre 7e semaine de live et pour la première fois on va parler avec toi de la routine qui est un élément déterminant bien évidemment de la performance, du jeu, du plaisir, enfin de plein de choses et je suis sûr que vous vous posez plein de questions sur la routine. Arnaud, on va te demander de te présenter. Juste avant ça, merci de nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, des petits pouces pour nous le dire, un petit oui, tout va bien, très important de savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Donc pour l'instant, Arnaud, je te demande un instant pour être sûr que tout le monde nous voit et nous entend. Pouce, cœur. Et surtout de nous dire si tout va bien, si le son est bon et si la vidéo est bonne. Je vois des pouces arriver, donc je pense que c'est positif. Arnaud, Arnaud, tu es pro depuis des années dans le prestigieux club de Saint-Nom-la-Bretèche et tu as aussi un rôle de consultant sur les chaînes du groupe Golf Plus où tu commentes au plus haut niveau. Donc bien évidemment, tu as des super compétences au niveau de la routine. Tu vois du très beau golf depuis des années. Parle-nous un peu de toi et de ce que tu fais et de qui tu es. Eh bien, merci Guillaume. Ouais, effectivement, ça fait longtemps que j'enseigne à Saint-Nom, depuis 2003. Donc, je suis coach des équipes une hommes et femmes. Je fais l'école de golf, évidemment. Et puis, je suis consultant pour le groupe Canal+, donc avec la chaîne Golf+, depuis 6 ans maintenant. Je commente exclusivement le PGA Tour. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'observer les meilleurs joueurs du monde avec le PGA Tour et aussi de coacher des joueurs amateurs à bon niveau et j'ai eu aussi quelques professionnels. Et oui, donc des professionnels, pas mal de professionnels, on pense à Jean-Baptiste Gaudet, on pense à Robin Ciot, enfin tu en as eu pas mal, je pense que tu en parleras peut-être pendant ce live. Et aussi tu as été, je pense que c'est plus qu'anecdotique parce que ça prouve à quel point tu connais bien le haut niveau, tu as été aussi cadet pendant quelques temps et tu as cadayé et tu as même gagné sur le circuit européen. En tant que cadet, ouais, exactement, en tant que cadet bien sûr. Ça. Ouais, en tant que cadet. Ouais, ça remonte, c'est une petite anecdote marrante, ça remonte à 2001, c'est que j'étais à table avec Charles-Henri Quélin, qui est un amateur très reconnu à Saint-Nom, et qui disait, bah, tiens, Greg Avray cherche un caddie éventuellement, et puis, bah, ça s'est fait comme ça, donc premier tournoi qu'on fait avec Greg en Espagne, on rate le cut d'un point, et la semaine d'après, pour son deuxième tournoi auquel je cadayais, bah, il gagne l'Open d'Italie, donc, c'est vrai que c'était assez marrant, c'était un énorme bonus, de voir ça de l'intérieur. Et donc, d'observer aussi les meilleurs joueurs du monde à cette époque-là. Donc, une grande expérience de coach, de cadet et de commentateur, ce qui fait que tu connais. Et c'était pour ça que pour moi, il était très pertinent de t'inviter. C'était que tu vois du golf tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches de très, très bon niveau. Et tu passes beaucoup de temps, bien évidemment, à commenter. Donc, tu vois plein de choses. Et je suis sûr que ça va énormément intéresser nos internautes de parler de la routine. Et tu as fait quelque chose de très intelligent aussi. Tu as interviewé quelques joueurs du circuit européen et tu leur as demandé ce qu'était la routine. Je pense que pour démarrer le débat, si tu es d'accord, pourquoi pas demander à Raphaël Jacquelin quelle est sa routine. Et à partir de là, n'hésitez pas dans un premier temps à nous poser des questions. Et toi Arnaud, tu vas nous dire voilà, la routine pour toi ce que c'est. Mais pour démarrer, je trouve que c'est pas mal d'écouter Raphaël Jacquelin. Exact. Salut Arnaud. Donc pour répondre... Une question de la routine, pour être simple et assez rapide, je dirais que la routine, moi, elle me permet de me concentrer et surtout d'éviter de penser à toutes les distractions qui peuvent venir de l'extérieur ou qui ont pu apparaître après un mauvais coup
ou un cours à terre, enfin bref, un mauvais score sur un trou, le fait de me rappeler la routine que je fais sur chaque coup, ça permet de me focaliser sur ce que j'ai à faire sur le moment, donc de revenir dans le présent. Ça, c'est le plus important. Ensuite, que je me mets dans une routine, ça, c'est vraiment personnel, c'est à chacun, par rapport à la personnalité du joueur. Elle peut être plus ou moins rapide, effectivement, plus ou moins de swing d'essai, en fonction du joueur. Il doit trouver ça à l'entraînement, en practice, ce qu'il a envie de mettre dedans, pour avoir le temps justement de retrouver le calme nécessaire pour faire des swings d'essai, que ce soit au putting ou dans tout le compartiment du jeu d'ailleurs, de retrouver le calme nécessaire pour poser son jeu, pour poser ça. Et retrouver la tranquillité, je dirais, et un rythme cardiaque adéquat pour pouvoir exécuter un coup en étant à 100% de ses capacités du moment. Donc pour moi, en gros, j'espère que ça c'est clair pour toi. Tu vas pouvoir traduire ça à l'antenne, mais voilà ce que je mets dedans. Est-ce que je travaille surtout à l'entraînement pour pouvoir la reproduire en tournoi? Et surtout, le fait de travailler au practice, elle devient machinale en fait. Beaucoup de joueurs font leur routine sans vraiment y penser. Et là, ça montre bien que le joueur est dans sa zone, entre guillemets, comme on parle, dans sa bulle. Voilà, j'espère que ça te va. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et à très vite sur nos parcours. Salut à tout le monde. Ciao, ciao. Donc génial d'entendre un joueur comme Raphaël Jacquelin nous en parler. Arnaud, je vais te laisser rebondir. La seule chose sur laquelle je souhaite insister, ce que j'ai adoré dans ce que vient de dire Raphaël, c'est je la travaille à l'entraînement. Donc déjà, je trouve ça génial. Est-ce que toi, Arnaud, tu peux aller un petit peu plus loin et nous dire, OK, dans la routine, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu mets dans une routine? Bien, d'avoir une routine, c'est savoir exactement de quoi on parle. C'est dans la définition, c'est un ensemble de schémas et d'actions que l'on reproduit systématiquement avant d'exécuter une performance. Donc ça, c'est important. Et quel est l'intérêt d'une routine? Bah, une routine, ça a pour but de mettre le sportif dans les meilleures dispositions possibles pour justement réaliser un geste technique ou une performance. Donc ça, déjà, c'est important. Après la routine, ce qui est important, c'est d'avoir toujours la même. Pour avoir de la consistance, ça sert à focaliser son intention sur le moment présent, donc sur la cible, de chasser toutes les pensées parasites qu'on peut avoir. Ça permet de se concentrer pour moi sur un objectif de moyen et pas sur un objectif de résultat, parce que souvent on a tendance à se projeter. Et je pense que la routine, elle doit s'adapter aussi aux fonctions du niveau de jeu. Évidemment, Raphaël Jacquelin, qui a des ambitions importantes et dont c'est le métier, n'aura peut-être pas autant n'aura pas la même exigence pardon que quelqu'un qui est 25 d'index, même s'il va y avoir des points communs. Et ce qui est important, c'est que ça permet de se centrer sur soi, la routine. Donc après, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Pour moi, je dirais il y a deux choses. Il va y avoir un espace que je vais appeler réflexion et un espace action. Il me semble que ça, je l'avais lu dans Vision 54 de Pia Nilsson et Lynn Mariotte. Je dirais dans l'espace de réflexion, c'est toute la prise d'information, le lie, le vent, la température, le green, le drapeau, etc. La réflexion du coup à jouer, ce qu'on va faire, le choix du club, la trajectoire, éventuellement de faire les coups d'essai en rapport avec la cible. Et ensuite, quand on va passer dans l'espace action, ça va être vraiment la visualisation, on va être focalisé sur la cible, l'alignement et l'exécution du coup. Donc ce qui est important, c'est encore une fois, de réussir à dissocier dans cette routine les moments où on réfléchit et les moments où, entre guillemets, on débranche le cerveau et on exécute comme un robot, comme disait un peu Raphaël, justement, machinalement. Donc ça, c'est important. Et pour revenir sur ta question, c'est évidemment que c'est important de le travailler à l'entraînement. Alors, comment le travailler à l'entraînement? C'est toujours un peu la même chose, c'est que les amateurs ont souvent tendance à taper beaucoup de balles. Nous, en tout cas, à Saint-Nom, on a la chance d'avoir les balles gratuites, ce qui est bien et pas bien, puisque les gens font un peu ce que j'appelle la mitraillette. Donc, comme c'est gratuit, on tape, on tape, on tape, et il n'y a plus finalement de contenu, on ne sait pas vraiment où on en est. Donc, ce qui est important aussi à un moment, c'est de travailler la performance, et justement d'intégrer sa routine dedans, en essayant de faire bah, comme si on allait faire sur le parcours. Est-ce qu'on fait un coup d'essai, deux coups d'essai? Est-ce qu'on fait sa routine devant la balle, derrière la balle? Et donc, il y a toute cette interaction qu'il faut réussir à.
à amener sur le practice, d'amener entre guillemets le parcours sur le practice. Absolument. Alors, dans tout ce que tu as dit, il y a plein de choses hyper intéressantes et je vais rebondir dessus. Et la première des choses, je vais commencer par la fin, sur le fait de, tu l'as dit, Raphaël l'a dit avant, la routine de la faire au practice. Et je trouve ça justement hyper pertinent. Tu parlais du fait d'avoir les balles gratuites, qui est bien évidemment quelque chose de génial, mais qui peut avoir aussi son côté négatif, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je trouve qu'en ce moment, et là je rebondis sur quelque chose où tout va ensemble, donc c'est génial, vous allez retourner sur vos parcours. Sauf qu'on sait, les practices vont être en accès limité, ce qu'on appelle en accès limité, les practices vont être ouvertes pour s'échauffer ou pour les leçons. Donc vous allez malheureusement taper beaucoup moins de balles qu'avant quand vous allez aller sur vos practices. C'est ce que vient de dire Arnaud, je rebondis dessus parce que c'est absolument génial. Profitez de chaque balle comme si cette balle était hyper importante et comme si vous étiez sur le parcours. L'objectif de l'entraînement, c'est d'être le plus proche possible du parcours. Et comme le disait Arnaud, si à l'entraînement, vous ne vous entraînez pas à faire votre routine, vous arrivez sur le parcours avec quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas. Donc, de travailler sa routine sur le parcours, je rejoins complètement ce que tu as dit et je suis tout à fait d'accord. Entraînez-vous à vous entraîner à faire votre routine au practice. Je rebondis sur une autre chose. Pour les plus anciens d'entre nous, on se rappelle de l'époque Nick Faldo. On sait que Nick Faldo, quand il s'entraînait quand il a repris son entraînement avec David Ledbetter pour être encore plus performant, chronométrait sa routine pour qu'elle soit à la seconde près la même, pour avoir, comme le disait Raphaël, cet aspect machinal. J'aimerais, Arnaud, qu'on aille un tout petit peu plus loin que tu ailles un tout petit peu plus loin dans la routine. Et comme tu l'as dit, la routine pour toi avait deux phases. Moi, je rajouterais une troisième phase si tu es d'accord. Alors, c'est pas la routine, c'est une phrase de globalisation du coup, mais je vais appeler ça la routine d'après-coup. Et tout à fait pour aller dans ta direction au niveau de vision 54, il y a avant le coup, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on. Je vais appeler ça la prise d'information, l'action et le débriefing. Après le coup, pour moi, il est très important de débriefer le coup. On en parlera un petit peu avant. Voilà, Geneviève Pierre, très bonne remarque. Réflexion, décision, action, vision 54 pour la routine. Génial, livre très riche, tout à fait d'accord. Et j'insiste sur l'après-coup, on en parlera. Est-ce que Arnaud, tu peux nous décrire un petit peu l'avant-coup? Qu'est-ce que toi, tu mettrais dans l'avant-coup, c'est-à-dire dans ta prise d'information, qu'est-ce que tu intègres? Dans la prise d'information, c'est toujours pareil. Alors, tout dépend déjà si on est amateur ou professionnel, dans le sens où si on est professionnel à bon niveau, on a un caddie. Donc, il y a un échange aussi qui va être plus facile à faire. Ce qui est important, c'est de définir le lag de la balle, la distance qu'il y a au drapeau, les obstacles qu'il y a ou pas. C'est vraiment, comme tu dis, cette prise d'information globale et générale, de savoir identifier est-ce que le coup va être facile ou difficile, est-ce que le drapeau est accessible ou pas accessible, est-ce que j'ai la capacité de pouvoir aller chercher ce drapeau. Donc évidemment, quand on a la chance de commenter les joueurs du PGA Tour, on a l'impression qu'il n'y a pas de drapeau difficile. Parce que le niveau de jeu est tellement important qu'on a l'impression qu'ils vont chercher les drapeaux tout le temps. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a des drapeaux qui sont quand même très près des bords, à 3 mètres du bord, dans des angles très compliqués avec des pentes. Donc les joueurs vont quand même chercher ces drapeaux, mais en favorisant une trajectoire. En général, on part plutôt du centre du green pour aller chercher un drapeau vers l'extérieur, donc avec une trajectoire rentrante, de draw ou de fade en fonction de la position du drapeau. Et puis il y a d'autres joueurs qui jouent différemment et qui vont jouer tout le temps avec la même tendance. Ceux qui jouent en fade, que le drapeau soit à gauche et à droite, ils prendront plus ou moins de marge en fonction de là où est placé le drapeau. Donc c'est vraiment toute cette prise d'information qui est importante pour Excuse-moi, je te justement être à coupe. même. Complètement en relation avec la stratégie. Ah, exactement. C'est Complètement en relation avec la justement. stratégie. C'est obligatoire de lier les deux. La routine et la stratégie sont forcément collées l'un à l'autre, puisque la stratégie va déterminer de la prise d'information qu'on a eue dans la routine. Moi, quand j'ai la chance ici d'entraîner des joueurs qui jouent plutôt bien, j'ai une routine qui effectivement va être plus, quand on va aborder ce thème de la routine, qui va être un peu plus complète qu'un joueur amateur, avec tout le respect qu'on a pour vous, bien évidemment, mais l'objectif est de faire des choses simples. Mais si on la détaille un petit peu, arrête-moi si je me trompe, voilà comment moi, la routine, je l'imagine en essayant d'aller vraiment dans tous les détails. Et quand je parle de routine, pardon, je m'exprime mal, mais la prise d'information. Je pense que la prise d'information, plus elle est claire, plus vous allez être engagé dans votre coup. On écoutera après Victor Riou, très bon joueur que j'ai eu la chance de coacher, qu'Arnaud connaît très bien, qui parlait justement de l'intention qu'on va mettre après. Mais avant ça, la prise de décision, pour moi, est déterminante et complètement en relation avec la stratégie. Et pour moi, effectivement, les facteurs très importants que vous devez prendre en compte.
En 1, en haut de la liste, le lie de Laval. Le lie va vous permettre de savoir ce que vous allez être capable de faire ou pas. Si vous êtes parfaitement placé sur le fairway, vous allez pouvoir faire tout type de coups. Si vous êtes enfoui dans le rough, mort pour certains coups. Donc le lie est prioritaire. Ensuite, selon moi, Arnaud, tu m'arrêtes à tout moment. Le lie, ensuite, bien évidemment, le drapeau. La distance par rapport au drapeau, qui est la distance flat, puis la distance recalculée. La distance recalculée pour moi, recalculée, ça veut dire, est-ce que vous êtes en montée, en descente, est-ce que le vent va vous aider ou va, au contraire, arrêter la balle plus rapidement. Donc la distance de base plus la distance recalculée. Après, comme tu l'as dit très justement, où est placé le drapeau? Est-ce que par exemple, je suis à 147 mètres? Je suis pile entre deux clubs. Si le drapeau est au fond du green, bah, entre deux clubs, je vais jouer le club le plus court parce que je sais que j'ai de la place avant. Si le drapeau est entrée de green, si je suis entre deux clubs, jouer le drapeau qui est le club qui est plus loin. Comme tu l'as très justement dit, la stratégie est primordiale dans votre prise de décision et je dirais dans votre routine globale. Tu es d'accord avec ça, Arnaud? Ah oui, je suis entièrement d'accord, évidemment. Et c'est là où, pour moi, en fonction du niveau, il va y avoir des routines plus ou moins avec plus d'informations, puisque là, on parle du très haut niveau, avec être capable de maîtriser ses distances à 1 ou 2 mètres près, d'être capable d'aller chercher des drapeaux. Évidemment, pour un joueur amateur, on va dire moyen de 20 de handicap, qui se fait déjà plaisir, qui joue bien au golf, forcément, lui, pour lui, ce sera peut-être se concentrer sur l'aille et juste la distance au drapeau et ôter certaines informations. Est-ce que je peux me permettre d'aller chercher le drapeau ou pas? Peut-être que lui va jouer plus facilement le milieu du green. On le rappelle, moi, il y a une formule que j'aime bien faire justement par rapport à, encore une fois, la routine de savoir après sur la stratégie, est-ce qu'ils sont agressifs ou pas, c'est de retirer les drapeaux sur un parcours et de demander aux joueurs de jouer à chaque fois le milieu du green et se rendre compte que finalement, quand on joue le milieu du green, bah, finalement, on n'est jamais très très loin du drapeau. Super exercice que je valide, mais alors à 400%. On a une remarque, Arnaud, de Régis Pain qui dit « Pas d'accord sur le lien entre stratégie et routine. Si la routine intégrait la stratégie, il faudrait donc changer sa routine. » Je comprends pas alors. Si, Régis, je pense que… Et en fait, on a mal démarré ce live. Je pense qu'on aurait dû déterminer qu'est-ce qu'est la routine. Pour nous, la routine aujourd'hui… On aimerait, pour répondre, je dirais, au plus grand nombre de nos internautes et des gens qui nous regardent, la globaliser. C'est-à-dire que la routine part de la prise d'information, c'est-à-dire du moment où on arrive à la balle jusqu'au moment où on part de la balle. Et il y a des gens pour qui la routine, et c'est là, Régis, où on vous rejoint, qui est, OK, je fais toujours le même process. Sauf que dans le process de routine, il y a une réflexion. Et cette réflexion nécessite forcément de prendre en compte certains éléments. Donc, Régis, c'est juste de savoir qu'est-ce que l'on appelle routine. Et pour nous, aujourd'hui, la routine, c'est dès l'instant où on arrive sur le coup et où on part du coup. Tu es d'accord avec ça, Arnaud? Entièrement Pour d'accord là-dessus, globaliser. Mais c'est et sûr que forcément. la routine, dans la routine, il y a forcément une réflexion sur la prise d'information et cette prise d'information va être différente à chaque fois. On sait qu'il n'y a jamais deux coups au golf. Arnaud, si on mettait, pour étayer notre discussion, un deuxième joueur, est-ce que tu as Ouais, quelqu'un exactement. en tête de particulier? À Victor, parce qu'il est en plus, il a une très belle coupe de cheveux Ouais, pendant le Victor. confinement, donc faut en profiter. Donc Victor Hiu, très bon joueur qui est cette année malheureusement sur le Challenge Tour, avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui a failli gagner un Open de France cette année, qui a joué un Open britannique, et qui malgré sa coupe de cheveux, vous allez voir, a une réflexion qui me plaît beaucoup quant à la routine. Bonjour à tous. Alors pour moi, la routine, c'est en fait, c'est la préparation du coup. C'est arriver à être dans les meilleures dispositions. J'arrête. J'arrête. Nous entendiez. Voilà. On utilise un nouveau système. Mais si vous m'entendez, l'objectif, comme l'a dit, c'est de préparer le coup. Possible pour réussir son coup de golf. Donc le plus important déjà c'est une bonne prise d'information, c'est la première étape, donc vraiment prendre toutes les infos, c'est-à-dire la distance, le lie de la balle, le vent, les zones safe, les zones où il y a des obstacles. Donc en fonction de tout ça, on va décider du coup qu'on a joué. Donc on va prédéfinir une cible, clairement, un club, la trajectoire, et une fois qu'on a fait tout ça, donc on a une image vraiment claire du coup qu'on a envie de taper. Après, pour moi, c'est à ce moment-là que vraiment commence la routine. Donc juste avant, ça dépend des joueurs. Moi personnellement, je fais des swings d'essai. Après, il y a d'autres joueurs qui n'en font pas, par exemple. Mais moi, ça permet de. J'aime bien toujours avoir une petite sensation. Donc je fais un swing d'essai par rapport à la sensation du moment. Et donc
Dès l'instant où on a fait les swing essais, juste après, pour moi, c'est vraiment là où commence la routine. C'est ces dernières secondes, juste avant de taper le coup, qui sont primordiales, où il faut vraiment qu'on soit mentalement dans les meilleures dispositions possibles et qu'on ne perde pas le fil avec la cible, en fait. Et donc, moi, j'essaie vraiment que ce laps de temps soit le plus court possible. Comme ça me permet de rester focalisé sur ma cible. Et parfois, c'est vrai que je vois beaucoup d'amateurs rester trois plombes devant la balle et c'est là où tu commences à te raidir. Et tu peux avoir des pensées parasites. Donc pour moi, une bonne routine, c'est vraiment avoir des, pas perdre le fil, hein. C'est-à-dire avoir une image claire de la cible, du shot qu'on veut taper, et de pas avoir de pensées parasites. Donc ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, je trouve, ce qui est important, c'est l'engagement aussi. Ça, c'est même, je dirais, la clé d'une bonne routine, le maître mot, j'allais dire, la clé d'une bonne routine, c'est vraiment l'engagement, s'engager à 100% sur le shot qu'on a fait. Et c'est souvent le problème des fautes d'engagement. C'est parce qu'en amont, on n'a pas fait le taf, en fait, on n'a pas assez pris les informations, les bonnes infos, ou juste avant le jour, on se dit, ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait un obstacle là, ou ça peut-être pas faire la distance, le club est pas bon, le choix n'est pas bon, donc c'est vraiment s'auto-persuader que le choix est bon. Et y aller franco sans relâche. Voilà pour moi ce que c'est qu'une bonne routine. Non, ouais, je rebondis sur ce que dit Victor, mais il y a quelque chose justement qui est très important, c'est que, encore une fois, comme il le dit, et le point commun, je dirais, la routine est commune chez tous les très bons joueurs. Le but du jeu, c'est simple, c'est d'être engagé à 100% dans le coup, d'être dans le moment présent. Ça, c'est sûr et certain. La seule chose, c'est qu'on peut voir des routines différentes chez les pros, et il y en a. Alors, la seule chose qui pourrait éventuellement varier, c'est, je dirais, le nombre de coups d'essai. Il y en a certains qui en font pas, comme dit Victor, il y en a d'autres qui en font un, deux ou trois. Et c'est aussi quelque chose qui peut varier. On le voit aussi, moi, je le vois plus souvent, alors là, je parle en tant que consultant sur Golf Plus, mais je le vois plus souvent quand la situation est très difficile, notamment au chipping, quand le coup est très compliqué à réaliser. Là, le joueur va avoir besoin de faire plus de coups d'essai pour se mettre un peu plus dans le coup et pour visualiser un peu plus la trajectoire. Je rejoins ton avis. Après, bon, le débat est encore une fois est ouvert. Visiblement de ce que dit Julien, parce que moi je vois pas la question, c'est de savoir est-ce que la prise d'information fait partie de la routine ou non. Après, on peut débattre là-dessus. Ce qui est important, c'est. Excuse-moi Arnaud, les gens ne m'entendaient plus depuis 5 minutes. Je sais pas pourquoi. Ah. Je sais pas où j'ai appuyé.
Je suis obligé de refaire mon petit discours, Arnaud, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Merci Julien, ça a l'air intéressant ce que tu dis. Antoine Rosner qui... Antoine, on parle de toi dans 2 minutes et de ta barbe, donc ne t'excite pas trop. Donc je recommence, excusez-moi. Et je reviens sur Julien Dénu, très bon pro à Ponto de Mer qu'on salue et qui n'est pas tout à fait d'accord avec nous. Mais tant mieux, je me répète, Julien, tu sais qu'on s'entend bien et qu'il n'y a absolument aucun problème. Et qui disait au départ... Donc, ce n'est pas une routine, car ce n'est pas. Donc, c'est une routine qui n'est pas toujours la même. Donc, pas une routine. Donc, ça, c'était la première réflexion de Julien. Aucun problème. Et la deuxième réflexion de Julien, entièrement d'accord avec Victor. Entièrement d'accord avec Victor. La routine est juste avant le coup. Le reste, est de la préparation. Alors, comme on le disait tout à l'heure. La routine, où elle commence, où elle s'arrête. Pour nous, la routine, c'est quelque chose de global. Et pour moi, la routine est beaucoup plus un process de routine où moi, je vais faire toujours la même routine, mais avec des éléments qui vont forcément arriver, qui vont être différents. Moi, ma routine, par exemple, mon process, c'est j'arrive, quel est le lie, quelle est ma distance, quelle est ma distance recalculée, donc en fonction de la dénivellation et en fonction du vent, où est placé le drapeau sur le green, s'il est court, s'il est long, s'il est à droite, s'il est à gauche, en fonction de ça et en fonction de tous ces éléments, est-ce que je vais faire une balle basse à droite, à gauche, en fait, enfin bon, moi j'ai pas trop de trajectoire, vaut mieux pas, autrement c'est compliqué. Mais voilà, pour moi la routine est un process. On n'a jamais deux fois le même coup au golf. Et comme je disais tout à l'heure, quand ça a été coupé avec Arnaud, je pense qu'on est assez influencé par Vision 54, qui est Pia et Lynn, qui sont, c'est formidable. Et par rapport à ça, bah, on n'a jamais deux fois le même coup au golf. La routine est pour moi, qu'est-ce qu'on doit avoir l'habitude de faire et de toujours avoir la même réflexion possible, de toujours préparer son coup de la même manière. Mais forcément, il y a des éléments à l'intérieur qui seront pour moi à chaque fois différents, car on n'a jamais deux fois le même coup au golf. Bon, entièrement d'accord avec toi, Guillaume. Après, le débat, c'est de savoir si voilà la prise d'information fait partie de la routine. Encore une fois, moi, j'ai envie de dire oui, puisque dans la définition de la routine, hein, ça, c'est ce que, encore une fois, je lis quand je regarde un dictionnaire, c'est l'ensemble de schémas d'action et d'image que l'on reproduit systématiquement avant d'exécuter une performance. Donc, la prise d'information, c'est quelque chose qu'on va refaire continuellement avant chaque coup. Donc forcément, pour moi, ça doit être intégré dans la routine. Et quand on entendra encore une fois un ou deux autres joueurs tout à l'heure, on verra aussi que certains en parlent d'ailleurs et la prise d'information fait partie de la routine. Après, encore une fois, le débat, il n'est pas de dire c'est comme ci ou c'est comme ça, on est ouvert à tout. Mais je pense Absolument. que la prise d'information, de manière générale, est importante et doit faire partie de sa routine, puisqu'encore une fois, c'est quelque chose que vous allez répéter sur chaque coup pendant toute la partie. Donc pour moi, ça intègre justement la routine. Absolument. Et c'est là, en fait, si dans ce live, on peut vous apporter, et on va en rediscuter un petit peu, on est qu'à la moitié de ce live, mais si on peut vous apporter des éléments, et c'est vraiment notre objectif sur la routine, et surtout sur la prise d'information, qui est déterminante, la prise d'information. Et c'est vrai que Julien, peut-être que pour toi, la routine, et je te dis, on le respecte tout à fait, c'est juste avant le coup, ok, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire toujours le même nombre de swings d'essai, toujours la même visualisation, tu démarres toujours le pied droit, par exemple, d'abord, tu places d'abord la main droite, d'abord sur le club avec la main droite. Je pense que toi, tu parles de cette routine comme ça et on le comprend tout à fait. Nous, aujourd'hui, on veut globaliser cette routine et surtout dans cette routine, on veut vraiment vous faire prendre conscience que la prise d'information est primordiale et que vous devez avoir une routine, toujours le même process pour prendre les informations. Et je rebondis sur Julien et après, effectivement, toujours faire la même chose si vous sentez que vous en avez besoin, c'est-à-dire de démarrer toujours, je dis n'importe quoi, avec le pied droit, avec le pied gauche, placer le club avec la main gauche, regarder par en dessous. Ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, on veut globaliser, on veut surtout que votre prise d'information, dans un premier temps, soit bonne. En un, le lie. En deux, quelle distance? Quelle distance recalculer? Parce que la distance du Bushnell ou du GPS, c'est pas la vraie distance. C'est la distance à plat, sans vent, sans rien. Maintenant, vous avez 107 mètres. Peut-être que le 107 mètres, il va se transformer en 145 mètres parce que ce jour-là, il fait froid. Vous avez fond de face, il pleut un peu, le green est en montée, c'est humide. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et ça, vraiment, c'est important, très très important, d'avoir cette prise d'information qui va être déterminante pour le reste, selon moi. Ah, pour moi, c'est entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire que sans cette prise d'info, comme disait Victor à un moment, en général, il y a des loupés dans l'exécution du coup, parce qu'en amont, dans la préparation, il y a un moment, on a négligé quelque chose, et du coup, à un moment, quand on se retrouve dans l'aval, ça nous est tous arrivé, je pense, à un moment de se dire, une fois qu'on est prêt à jouer, oulala, voilà, il y a le bunker à droite, mais t'es sûr qu'il c'est un fer 7 et pas un fer 6, ah, le drapeau, il est à gauche ou il est à droite, est-ce qu'il faut que je joue comme ci ou comme ça? Et souvent, quand on tape ce coup en ayant cette pensée parasite,
bah du coup c'est la catastrophe. Déjà que quand on fait toutes les choses et tout le process correctement, on n'est pas sûr du résultat à 100%, mais en ratant cette routine, c'est sûr que le résultat va être forcément beaucoup moins intéressant. Avant de passer à Antoine Rosner justement qui nous explique sa routine, petit message de Lionel Alexandre qu'on bien évidemment qu'on salue tous les deux avec Arnaud. La routine se fait en fonction du coup à jouer, là de facto, donc de la routine. Oui, je pense que ce que tu veux dire, c'est que, corrige-moi si je me trompe hein, Lionel, mais la routine est à faire en fonction du coup à jouer. Vous pouvez avoir des routines différentes en fonction des coups aussi, qu'au drive, ça soit pas la même que sur les fers, pas les mêmes sur le wedge et qu'au putting. Et on veut pas vous embrouiller avec tout ça. Nous, dans la routine, ce qu'on souhaitait mettre en avant avec Arnaud, c'est en un, prise d'information. Un process de prise d'information que nous, on appelle routine. Mais c'est là où on peut peut-être pas tous être d'accord. En deux, l'action à faire. Cette action avant de jouer, à quoi vous pensez? Et nous, on est plus sur, en tout cas moi, plus sur un élément de sensation plutôt que trop de pensée technique. Et après le coup, on en parlera après, à quoi vous pensez après le coup? Est-ce que vous rangez le club dans le sac? Est-ce que vous réfléchissez à ce que vous avez fait? Est-ce que vous cassez le club? Enfin, il y a plusieurs éléments possibles. Mais voilà, la routine, selon nous, globalise le moment où on arrive sur la balle jusqu'au moment où on part, parce que dans cette routine, on a toujours le même process, la même routine de réflexion. On regarde Antoine Rosner. Allez, c'est parti. Excusez-le pour la barbe. Alors, la routine, pour moi, c'est vraiment le moment juste avant de taper un coup. C'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement. C'est une répétition de gestes ou de pensées qu'on a l'habitude de faire pour vraiment se mettre dans les meilleures dispositions pour taper un coup et approcher ce coup de manière un peu plus confiante. Donc, en ce qui me concerne, moi, c'est vraiment un regard vers la cible très précise, essayer de me concentrer le plus possible sur cette cible. Je fais deux coups d'essai. En général, je recule un peu, je me mets derrière la balle, je regarde cette cible encore une fois, et à partir de ce moment-là, je marche vers la balle, et il n'y a plus aucune pensée parasite qui vient de m'embêter. Deux petits waggles, et après, je tape la balle. Et donc, comme le disait Antoine, il a cette routine de pensée, Arnaud. Tu es d'accord avec ça? Oui, après, il y a certains qui vont être plus sur des routines de pensée. Il y en a qui vont être plus, j'ai envie de dire, kinesthésiques. Quand on regarde, par exemple, Matthew Wolf, voilà, le nouveau phénomène un peu sur le PGA Tour, lui, à chaque fois, fait un petit mouvement avec ses hanches, enfin, ouvre ses hanches avant de démarrer, etc. On a Justin Rose qui, dans sa routine de coup d'essai, fait à chaque fois ce qu'on appelle voilà son drill pour essayer de sentir, de trouver une sensation. Donc certains vont être sur de la pensée, d'autres vont être sur de la sensation. Donc chacun va être un petit peu différent en fonction de comment il le sent. C'est pour ça qu'une routine, à un moment, il y a quand même des traits communs qu'on essaye de définir dans notre discussion. Mais à un moment, c'est très important de la personnaliser et d'amener sa touche personnelle. Certains vont gripper avec la main droite d'abord, d'autres la main gauche, d'autres vont venir avec le grip directement. D'autres vont faire les coups d'essai derrière la balle, d'autres devant la balle. Donc, c'est là où il faut, justement, on en revient à ce qu'on disait en tout début, c'est là où il faut s'entraîner au practice, tester des choses et essayer de sentir ce qui va vous correspondre le mieux. C'est pas de dire il faut faire comme un tel ou un tel, c'est d'essayer de trouver ce qui va vous permettre pour vous de vous sentir le plus confortable possible et de pouvoir, encore une fois, le but est d'être engagé à 100% au moment de taper le coup. Là, absolument génial, parce qu'on a Antoine Rosner qui nous suit en même temps, qui vient de s'écouter. Merci beaucoup Antoine d'être là, d'écouter et d'avoir la chance d'avoir des gens comme toi qui nous écoutent. C'est génial parce que tu peux justement interagir. Et là, tu as rajouté, je voulais ajouter que dans des situations sous pression, on se concentre sur ce que l'on peut contrôler. Reproduire cette routine parfaitement sous pression est essentiel. Est-ce que Antoine, pour toi qui nous écoute, et c'est génial, pour toi la routine, est-ce que tu estimes que ta routine c'est juste de taper juste avant le coup, ou est-ce que ta routine, tu as aussi une routine et un process qui est toujours le même dans ta réflexion dès l'instant où tu arrives à la balle? Et en attendant qu'ils nous répondent, on va prendre d'autres questions. Si on élargit, question d'Antoine Cardi, si on élargit le process routine, le caddie en fait partie alors? Arnaud, je te laisse répondre. Ça dépend de chaque joueur, puisqu'il y a des joueurs qui ne demandent pas à leur caddie les distances. Il y en a d'autres qui
n'ont pas de carnet de parcours. Ça devient plus rare quand même parce qu'ils aiment bien quand même l'avoir pour visualiser justement. Mais en général, oui, le caddie est partie intégrante, en tout cas de la prise d'information au départ. Alors certains voilà, ne le font pas intervenir autant que d'autres, mais en général, le caddie est partie prenante sur la prise d'information et peut jouer un rôle justement sur la prise de décision pour conforter un joueur dans un choix ou dans l'autre en fonction du coup qu'il a tapé. Super, parfait. Lionel Alexandre qui revient. Sorry, j'ai du mal avec mes doigts. Alors Lionel Alexandre joue formidablement bien au golf. Il a joué un Open britannique. Par contre, il a un peu plus de mal avec le clavier. La routine se fait en fonction du coup à jouer. Le coup en fonction de la prise de décision, donc de la routine. Donc voilà, c'est un global. Pour nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est que tout se fait, la stratégie, la routine, tout est ensemble et on réinsiste, la routine est pour nous plus un process, plus une habitude de prendre toujours les mêmes informations pour qu'on ait un mécanique, une routine de prise de décision et avant le coup, de faire effectivement toujours la même chose, en tout cas de toujours faire la même prise d'information et le même process de choses différentes. Là, j'ai perdu tout le monde. Ouais, exactement. Non, mais en fait, c'est simple. On a tous une routine. Par exemple, quand vous vous levez le matin, quand vous sortez de votre lit, finalement, vous allez vous rendre compte que tous les jours, vous faites la même chose. Est-ce que vous commencez, je sais pas, par vous habiller ou aller aux toilettes d'abord ou prendre votre petit déjeuner? Vous faites tous. La routine, elle est partie intégrante de tout ce qu'on fait dans la vie, finalement. Donc, au golf, c'est la même chose. Et encore une fois, cette prise d'information est déterminante pour ensuite, justement, intégrer les autres éléments, c'est-à-dire la prise de décision et ensuite l'action, puis le débriefing, comme tu disais, pour pouvoir faire une routine efficace et pouvoir la répéter le plus possible. Et surtout, encore une fois, le fait de faire une bonne routine, ça permet aussi, à la fin, de pouvoir débriefer sur le résultat. C'est ça qui est important, c'est que si la routine est faite correctement, après, on peut juger le résultat. Est-ce que j'ai été trop agressif, pas agressif? Est-ce que le choix du club était bon ou pas bon? Ou est-ce que j'ai raté mon coup techniquement? Si déjà la routine n'est pas bonne, qu'il y a quelque chose qui se rate dedans, après, ça devient très dur d'intervenir sur le résultat en disant bah, j'ai raté, mais est-ce que c'est à cause de ma routine ou est-ce que c'est à cause de moi techniquement, etc. Je pense honnêtement, Arnaud, que c'est un des sujets les plus intéressants depuis qu'on fait ces lives. Tout le monde réagit. Et là, on va prendre 2 minutes pour alors pas que des pros. On a plein de pros qui réagissent. Antoine Rosner, Antoine Schwartz. Donc Antoine, pour lui, prise de décision d'abord, oui, avec l'aide du caddie pour un joueur professionnel. Je vais aller chercher ensuite des remarques de joueurs amateurs super intéressantes. Plus la décision est claire, plus le coup sera exécuté avec confiance et engagement. Je pense que c'est le meilleur résumé de ce qu'on essaie de mettre en avant aujourd'hui. C'est le meilleur résumé. Si votre routine est toujours la même, ou en tout cas est efficace pour vous, vous serez en confiance pour exécuter le coup et vous mettrez de l'engagement. Donc je pense que ça, Antoine, tu as parfaitement résumé l'objectif de ce live. Je répète ta phrase, elle est à l'écran pour vous tous et toutes. Bien sûr, plus la décision est claire, donc plus la routine et la prise d'information sera claire, plus le coup sera exécuté avec confiance et engagement. Arnaud, quelque chose à rajouter? Il n'y a pas grand chose à rajouter hein, sur une phrase. Non, mais c'est clair et limpide. C'est vraiment ça le but du jeu, c'est que la routine soit faite de manière efficace avec toutes les informations nécessaires pour qu'au moment, on soit dans le moment présent, que le coup soit exécuté à 100% et qu'on ne pense qu'à la cible. Geneviève Pierre, amateur golf depuis 3 ans, mais il est important et suit en cours de créer des routines pour perdre de la pression et garder la concentration. Absolument génial. Exactement. Le but d'avoir toujours la même routine est de donner une vraie forme de confiance, donc de retirer de la pression si on a confiance, et de rester concentré. On est tout à fait d'accord. Et si, Geneviève, après 3 ans de golf, vous travaillez déjà ça, vous êtes vraiment, vraiment sur la bonne voie. Bravo. D'autres remarques? Oui, je te coupe. Bien sûr. Le but du jeu, c'est vraiment ça, c'est de... À un moment, quand il y a des distractions, alors qu'on joue un tournoi professionnel parce qu'il y a des leaderboards, il y a des enjeux, ou qu'on joue une compétition de club, où peut y avoir des distractions parce que vous jouez bien, vous êtes dans une bonne partie, ou il y a quelqu'un dans votre partie qui vous dérange, bah, l'intérêt, c'est justement de se refocaliser, de se recentrer sur soi, d'avoir un bon schéma, d'avoir une bonne routine pour pouvoir, encore une fois, être présent au moment où vous devez jouer votre coup et ne penser qu'à vous, d'être, entre guillemets, égoïste. Et de pas se soucier de ce qui se passe autour. Est-ce que je suis moins 4? Est-ce que je suis plus 18? Est-ce que je suis 3 up? Est-ce que je suis des down? C'est de réussir à se concentrer là-dessus. Et encore une fois, c'est une des choses qu'on peut contrôler, c'est
qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je dois mettre dedans et comment je peux faire pour réussir mon coup et ensuite me projeter au coup d'après. Absolument d'accord. Et donc là, tu l'as bien dit pour les joueurs amateurs. Et c'est pour ça que les meilleurs joueurs du monde, et on sait que ça soit au niveau du swing, au niveau de la routine, on a toujours envie de s'inspirer de ce que font les meilleurs. Ils le font pour des raisons qui sont précises. Et Rory McIlroy, non, c'est pas un bon exemple. Quelqu'un qui non, va. Non, on l'a pas en vidéo, Rory. Il a pas pu répondre. Non, il avait des trucs à faire. Mais prenons Antoine Rosner puisqu'il est là. Antoine Rosner, qui va bientôt gagner, on lui souhaite un tournoi du circuit européen, quand il est en dernière partie, quand il sait qu'au 18, il doit mettre son coup de fer 7 sur le green, qu'il a une pression énorme parce qu'il sait que s'il met sur le green, il a deux potes derrière, il risque de gagner le tournoi. Ce coup de fer 7, s'il n'a pas de routine et qu'il a 3000 pensées parasites, qu'il pense à l'influence de la victoire, que s'il loupe le green, il est mauvais dans les bunkers, c'est pas le cas. Mais toutes ces choses-là, si elles lui viennent en tête, forcément, ça aura un impact négatif sur le coup. Si à ce moment-là, Antoine, il a sa routine sur laquelle il va, j'aime bien ce terme, sur laquelle il va se reposer. Ok, j'ai mon process, j'arrive à la balle, je sais ce que je fais, le lie, la distance, le truc, le machin, quel club, fond du green, on va jouer un peu court. Et qu'il a toute cette réflexion, il va s'asseoir sur cette réflexion, il va vraiment céder de cette réflexion pour avoir son process et faire ce qu'il doit faire et faire son boulot. Donc, d'où l'importance d'une routine. D'autres trucs très, très bien, Dominique Judelin, bien évidemment, membre du Vaudreuil, que je salue et que j'espère revoir bientôt. Et j'adore, on peut commencer le process avant d'arriver sur la balle. 1000% d'accord. Principalement, même peut-être sur autour des greens et sur le green, ou même de loin, vous pouvez déjà commencer à observer la dénivellation du green. Vous pouvez déjà observer, même si c'est un grand coup, le vent, plein de choses. Mais bien évidemment qu'on peut commencer le process avant d'arriver sur la balle. On est absolument, en tout cas, je suis tout à fait d'accord. Et je pense toi aussi, Arnaud, que tu seras d'accord avec ça. Exactement. On va écouter quelqu'un d'autre. Antoine Schwartz, très très bon joueur dont j'ai la chance de m'occuper, qui a tous ces joueurs-là, pour l'instant, merci encore à vous tous de nous suivre. Hein. C'est des joueurs qui n'ont plus de métier en ce moment et qui vont avoir probablement une fin d'année qui va être compliquée, un début d'année aussi qui va être peut-être compliqué l'année prochaine. Et vous voyez ce qui est absolument génial avec le golf, c'est que ces joueurs-là qui sont chez eux, qui sont confinés, continuent à regarder du golf, sont tellement passionnés qu'ils sont là, qu'ils ont envie avec vous de rentrer dans cette routine parce qu'ils savent à quel point c'est important. Ça fait la 7e semaine qu'on fait des lives. On n'a jamais eu un live où on avait autant de joueurs professionnels qui intervenaient. Et toi, Arnaud, quand tu leur as demandé de faire des vidéos, ils ont tous réagi parce que tous ces joueurs-là ont conscience de l'importance de la routine. Donc, je pense que pour vous qui nous écoutez, c'est vraiment, ça vous fait prendre conscience que ces joueurs-là, ils sont à l'écoute de ça et ils ont besoin de ça pour être performants. Oui, je rebondis sur ce que tu dis. Il y a deux choses pour moi importantes. Quand une fois, on a la chance de voir les meilleurs joueurs du monde et notamment à la télé. Il y a justement... Alors souvent les gens veulent copier, tiens j'aime bien le swing, etc. Mais on parle encore une fois des meilleurs joueurs du monde qui physiquement sont quand même au-dessus de la moyenne, on va dire, de tout le monde. Donc il y a les deux choses à copier, c'est la routine. Alors on la voit pas tout le temps parce que la caméra, encore une fois, coupe un peu parce que les télés trouvent que c'est pas forcément intéressant de montrer quelqu'un faire la routine. Mais quand on a la chance de la voir en entier, c'est très intéressant à regarder. Ou quand vous allez suivre des tournois professionnels, n'hésitez pas à regarder ça. Et je dirais la deuxième chose, même si on dévie un tout petit peu, c'est l'attitude. C'est les deux choses pour moi à regarder quand vous avez la chance de voir des tournois professionnels, c'est d'observer les joueurs faire leur routine et de voir leurs attitudes après un très bon coup ou après un très mauvais coup, après un triple bogey, de voir un peu ce qui se passe. Et c'est ça, très intéressant à regarder. Absolument, absolument. Et c'est là ce qu'on vous conseille avec Arnaud aussi, dès l'année prochaine, quand les tournois professionnels vont recommencer, quand vous allez sur un tournoi professionnel, n'hésitez pas à prendre du temps pour regarder la routine de tous ces joueurs sur n'importe quel compartiment du jeu, parce qu'effectivement, la télé en général s'est coupée. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de leur routine quand vous allez les suivre au golf national, en Bretagne à Pléneuf, au Vaudreuil bien évidemment, et on en oublie, il y a plein de tournois super en France, mais voilà, n'hésitez pas à regarder la routine. Antoine Schwartz, donc très bon joueur professionnel, et surtout rester focalisé sur ce qu'on a à faire et pas sur ce que l'on n'a pas à faire. Pas de négativité, toujours être dans le positif et non dans le ne pas. Donc dans la routine, ce que veut mettre en avant Antoine, c'est qu'est-ce que vous devez faire. Vous arrivez, ok, qu'est-ce que je dois faire. Et ça, j'adore. On en a parlé longuement ensemble. Je pense aussi à Stan Gauthier qui doit nous regarder, avec qui on est beaucoup dans ce process-là. Très bon joueur professionnel, Stan. Sur, ok, j'arrive, qu'est-ce que je dois faire.
pour oublier tout ce qu'il ne faut pas que vous fassiez. Vous avez un process sur ce que vous devez faire pour être focalisé sur ce que vous devez faire. Si vous arrivez et que vous pensez sur oh là là, il y a le vent, il y a l'eau à droite, voilà, à chaque fois je me mets là-bas, mort. Si vous arrivez et que vous savez que le là et la distance, tout ce qu'on vous répète depuis le début et que vous avez votre process de ce que vous devez faire, vous serez dans l'action à faire et pas qu'est-ce que je dois éviter de faire. Je pense, Antoine, avoir un peu résumé avec ta remarque ce que tu devais faire, mais j'aime bien le dire comme ça. Vous arrivez sur ce que vous devez faire et surtout pas ce que vous devez éviter de faire. On s'écoute quelqu'un d'autre, Arnaud? Allez, soyons fous. On a Romain Langasque. Romain Langasque. Allez, Romain Langasque. Hello. Alors, pour moi, la routine, elle est faite en trois phases. Il y a un, la prise d'information, le lie, le vent, la position du drapeau, la zone safe, ces choses-là. En deux, il y a la prise de décision, donc du coup et du club que vous voulez taper. Et en trois, il y a l'exécution. L'exécution, c'est votre propre routine, vos coups d'essai, votre mise en place, votre visualisation et l'exécution. Voilà, à bientôt. Super. Arnaud, une petite remarque? Non, mais là, il vient, entre guillemets, il est plus d'accord entre guillemets, avec nous. C'est-à-dire que pour lui, la prise d'information est partie prenante de la routine pour Romain. Mais c'est clair, c'est précis. Encore une fois, on se rend compte qu'en écoutant tous ces joueurs professionnels, il y a quand même un trait commun, encore une fois, sur qu'est-ce qu'on va mettre dans une routine, qu'est-ce qu'on fait. Encore une fois, la seule différence, c'est que chacun va la personnaliser de manière un petit peu différente. Et dedans, va ajouter une petite touche personnelle, mais il y a quand même une trame commune qui se dessine sur tous ces joueurs professionnels. Et si ces joueurs professionnels qui jouent avant tout pour le plaisir, parce que c'est leur passion, et en deux, c'est leur métier, il y a quand même un peu d'argent à la clé, s'ils la font, c'est que forcément, il y a une raison. C'est à une importance cruciale. Ah oui, s'il n'y avait pas d'importance, je peux vous garantir que depuis longtemps, la routine, elle aurait sauté chez certains joueurs. Et quand on regarde un des plus grands joueurs de tous les temps, je sais que Guillaume, tu es très fan aussi, évidemment, Tiger Woods, quand on regarde notamment sa routine au putting, qui est la même depuis qu'on l'a vu à la télé, depuis qu'il a commencé à très bien jouer, avec le fait de prendre la putter dans une main, puis ensuite de faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour regarder la pente, ça, par exemple, lui, c'est sa routine de putting qui est la même depuis des années et des années, et c'est aussi pour ça qu'il a rentré un nombre de putts forcément étonnant. Mais dans sa routine, Arnaud, je rebondis là-dessus, on n'est pas dans sa tête, mais on imagine que dans sa tête, même s'il fait le même process, la même routine, je pense qu'on est vraiment, on est tous d'accord sur la même chose. Je suis sûr qu'avec Julien, on est complètement d'accord. C'est juste des termes qui sont différents. Mais dans sa routine, ce que moi j'appelle la routine, il a probablement intégré des choses différentes en disant, ou ce pote-là, à Torrey Pines pour gagner l'US Open, au 18, il sait qu'il va breaker plus. Il a cette expérience de ce green-là qu'il a joué des dizaines de fois en se disant, bah, il va adapter certaines choses. Il va prendre de l'information pour ensuite adapter son coup. Donc j'insiste sur la routine et le process qui doit être le même, mais avec à l'intérieur des choses qui doivent forcément être différentes. Mathieu, oui, Pavard. Pour rebondir sur ce que tu dis, par exemple, on voit des joueurs aussi, entre guillemets, qui sont un peu possédés. Quand on voit Jason Day dans sa routine, avant de jouer, donc avant l'exécution du coup, lui, souffler, s'isoler, fermer les yeux pour être vraiment possédé. Quand on voit Keegan Bradley qui regarde sa balle de travers en lui disant « De toute manière, si tu rentres pas dans le trou, je te jette dans l'eau », il y a toutes ces attitudes de joueurs qu'on voit où on sent que c'est quand même une partie prenante et qui sont à fond engagés dans leur coup. On va revenir sur Mathieu Pavard et c'est intéressant. Je voudrais juste revenir sur Keegan Bradley. Alors, on n'est pas là pour raconter notre vie, Arnaud, mais on a eu la chance il y a quelques années d'aller tous les deux à l'USPGA à Kiawah Island. Exact. Et je ne sais pas si tu te souviens, justement, ça, c'est pour rebondir sur ce que tu dis et sur l'intérêt d'aller sur ces tournois pour voir les joueurs professionnels. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais le premier joueur que l'on a vu au départ du 1 était Keegan Bradley. Et au bout de 40 secondes, on s'est regardé en disant, mais il va taper la balle à un moment, ce joueur-là, ou pas? Parce que à la télé, bien évidemment, ils occultent de temps en temps certaines choses. Parce que, bien évidemment, il faut qu'il y ait un vrai dynamisme qui se crée. Et Keegan Bradley, c'était à l'époque où certains d'entre vous doivent se souvenir, il n'arrivait pas à démarrer et il lui fallait quasiment 2 minutes avant de taper un coup. Et c'est des choses qu'on voyait pas à la télé. Et avec Arnaud, on est arrivé, on a vu ça
au premier trou du O1 à Kiawa, qui en plus n'est pas facile, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc la routine, effectivement, à la télé, parfois, pour créer du dynamisme, on ne voit pas tout. Et je me répète, si vous allez sur des tournois professionnels, ou encore mieux, dans votre club, vous avez forcément des super joueurs, ou bien évidemment le pro PGA de votre club, allez le voir et dites-lui, ok, décris-moi ta routine, fais-moi ta routine, je veux observer comment tu prépares un coup. Mais c'est primordial. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et justement, bah, il y en a plein des exemples. Sergio Garcia, à un moment, qui a grippé 15 ou 17 fois le club avant de jouer, qui avait des bugs. Il y a Jason Duffner qui fait des waggles qui sont interminables. Donc ça, il y a des choses. Évidemment, à la télé, on le coupe parce que, bah, on le marque, on le voit une fois, mais c'est pas très intéressant. Puis ça perd du dynamisme. Déjà que le golf, ça peut être un petit peu soporifique certaines fois à regarder la télé. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis, là, ça va être l'occasion aussi, comme le practice va être un peu limité, les leçons, même si on aura le droit de faire des leçons individuelles, ça va être un peu compliqué. Pour moi, je pense que c'est aussi l'occasion de pouvoir aller avec son pro PGA sur le parcours, faire des parcours accompagnés et justement intégrer ce système de routine, de prise d'information, de voir tout ce qui est alignement, etc. Pour moi, c'est très intéressant à faire. Primordial, tout à fait d'accord. Mathieu Pavard, bonjour messieurs et merci pour le live. Vous parliez de stratégie dans la routine. Je trouve que nous autres amateurs en majorité sommes, entre guillemets, mauvais sur cet aspect et perdons beaucoup de coups. Attaque de drapeau à chaque fois, stratégie jamais défensive, recovery en hero shot, surévaluation de ses distances et capacités. Avez-vous des tuyaux pour prendre les bonnes décisions plus sages? Mathieu, magnifique. Merci. Magnifique. Mais là, on n'est pas 100% d'accord, on est 400% d'accord sur effectivement, quand on vous écoute, avec Arnaud, on a la chance effectivement d'être au contact de très bons joueurs, quand on vous écoute de temps en temps, vous qu'on respecte beaucoup et qu'on adore, et quand vous faites des choix de coups de temps en temps à 250 mètres au-dessus de l'eau, c'est des choix que les joueurs professionnels ne prendront pas. Donc là, Mathieu, complètement d'accord. De faire des choses beaucoup plus simples, et Arnaud vous a mis sur la voie tout à l'heure. Arnaud vous a mis sur la voie en vous disant « entraînez-vous en oubliant le drapeau ». Ça, c'est la première des choses. Vous attaquez, en général, quelqu'un qui est 24 d'index, il attaque plus de drapeaux qu'un joueur professionnel du PGA Tour. C'est une certitude. Donc, tout ce que Mathieu vient de dire, on est tout à fait d'accord. Si vous arrivez à avoir une stratégie beaucoup plus simple, jouer beaucoup plus de milieu de green, en étant moins agressif, vous gagnerez un nombre de points qui est absolument, mais colossal. Et je me répète, le meilleur exemple, Arnaud l'a dit tout à l'heure, oubliez les drapeaux au milieu des greens. Oubliez les drapeaux et jouez les milieux des greens. Ouais. Et je rebondis par rapport à ce que dit Mathieu et ce que tu dis. C'est que bah, comment être meilleur, bah, c'est en se connaissant mieux. Comment on va se connaître mieux, c'est que vous avez la chance aussi d'avoir fait des webinaires avec Spider Golf, justement. Donc si vous connaissez vos statistiques, vous savez quelle est votre probabilité. Si je me recentre à cet endroit, je sais que je vais être à 100 mètres. À 100 mètres, je sais que j'ai une chance sur 2 ou une chance sur 3 ou une chance sur 4 de faire tant de coups. Donc l'avantage, c'est que vous allez jouer en adaptant votre stratégie. Si vous ne savez pas un peu en vous disant ça passe ou ça casse, ça passe certaines fois et ça casse. Et quand ça casse, ça fait souvent mal à la carte de score et souvent on charge un peu la mule. Alors que souvent des joueurs professionnels qui, entre guillemets, jouent pour assurer le bogey, même si c'est rarement le cas, mais se recentrent de manière intelligente, se disent ok, je sais que si je me mets à 120 mètres, je sais que par rapport à ma production, j'ai 2 chances sur 3 de pouvoir faire un chip putt. Donc comment adapter la stratégie? Avec la routine, c'est exactement ça. Et dans, toujours dans cette routine, dans cette stratégie, j'écoutais il y a quelques temps Eduardo Molinari, qui est un scientifique et qui, pour info, lui crée sa routine en fonction de ses statistiques. Par exemple, si on va encore plus loin, il a ses stats depuis quasiment qu'il est un amateur de très haut niveau. Donc, depuis des dizaines d'années, tous les coups qu'il a tapés sont répertoriés dans une feuille Excel. Donc, il se connaît parfaitement bien et sa stratégie et sa routine sont en fonction de ses statistiques. Donc, voilà, pareil, il y a une adaptation à avoir en faisant, faut toujours faire la même chose et à l'intérieur de ça, s'adapter par rapport au coup présent. Je me répète beaucoup, mais je pense que si on arrive à intégrer ça avec vous aujourd'hui, ça sera génial. Petite anecdote, enfin pas anecdote, mais je trouve ça très intéressant. Armor TW, que je connais bien évidemment, et que je salue, que j'embrasse et que j'espère revoir bientôt. La routine qui précède les différents coups à taper est très importante. 3 petits points. Mais celle pour s'hydrater et manger tout au long du parcours est importante aussi, je pense. Oui, bien évidemment, c'est pas le sujet du jour, mais je trouvais ça très pertinent. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette information. Vous devez avoir la routine. Il y a des joueurs professionnels qui ont aussi cette routine de se dire tous les 3 trous, je mange, tous les 3 trous, je bois, tous les 3 trous, je prends maintenant la grande mode du CBD, tous les 3 trous, je mâche un chewing-gum pour me détendre. En tout cas, oui, il doit y avoir cette routine aussi dans l'alimentation. Tout à fait bien vu de l'avoir spécifié.
On Et puis finit, je vais Arnaud? même dévier un Bien tout sûr. petit peu là 30 secondes sur par rapport à ça, c'est que je dirais même la routine d'entraînement est la même. C'est-à-dire que les joueurs, ils arrivent tout le temps à peu près, encore une fois, chacun est différent. Il y en a qui ont des routines plus rapides que d'autres. On sait qu'à l'époque, Montgomery tapait très peu de balles, arrivait très peu de temps avant son départ. Là maintenant, en moyenne, les joueurs arrivent 1 heure et demie avant leur départ. Et certains tapent, il y a plein de vidéos, si vous allez regarder sur YouTube, de savoir bah, combien vous tapez de sandwich avant de jouer, etc., sur les joueurs professionnels. Et à une balle près, ils font à peu près tout le temps la même chose. Donc ça fait partie aussi, c'est une routine aussi qui est différente de celle du parcours, mais c'est quand même une routine, la façon de comment ils vont s'entraîner, comment ils vont se mettre en condition avant d'aller jouer pour se mettre encore une fois dans les meilleures dispositions possibles avant d'aller faire leur compétition. Julien Denu te félicite pour tes qualités de commentateur, Arnaud. On a une tonne de messages. Alors, Merci, c'est pas Peter. qu'on veut pas y répondre, hein. On est désolé, mais puis de temps en temps, il y en a qu'on n'a pas. Ça, j'aime bien. Je suis assez d'accord avec ça. Les femmes sont plus souvent sages dans leur stratégie et ça paye. François, je suis tout à fait d'accord. Et plus vous serez sage, mieux ça ira. Je me répète, si aujourd'hui on a réussi à bien faire rentrer dans votre esprit que jouer les milieux des greens est super important, avoir une routine qui est toujours la même, une prise d'information qui est complète et toujours la même, pour faire ce que vous devez faire, comme disait Antoine Rosner et Antoine Schwartz, pardon, pour avoir ce que vous devez faire et surtout pas ce que vous devez éviter de faire, on aura bien avancé. On a 1000 questions, on risque de dépasser un tout petit peu. Arnaud, tu as un petit peu de temps? Non, j'ai une partie de golf dans 10 minutes. On écoute Robin, dont tu t'es occupé pendant quelques Avec. années? Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Arnaud m'a demandé de faire une petite vidéo sur ma routine, donc du coup j'espère que ça va pouvoir vous aider quand on pourra retourner sur les golfs. Donc moi ma routine elle se divise en trois étapes. La première c'est que je fais deux trois petits coups d'essai, pas forcément des pleins swings, juste des trois quarts de swing pour faire un drill que je fais assez souvent et surtout pour bien visualiser mon coup. Ensuite, je me mets derrière ma balle. Alors ça, c'est pour m'aligner, parce que je ne m'aligne pas très bien. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de tracer une ligne avec mon club entre la balle et ma cible pour prendre un point de repère par terre. Comme ça, j'ai juste à m'occuper de m'aligner en fonction du point de repère. Et la dernière étape pour moi, qui est la plus importante, c'est que je me mets devant la balle et je ne tape pas tant que je ne suis pas prêt. C'est un sport qui est quand même assez compliqué. Taper une balle quand on n'est pas prêt, c'est chaud. Donc du coup, voilà, j'ai des petites clés. J'aime bien me sentir assez haut devant la balle. J'aime bien avoir les mains basses. Mais j'attends toujours le bon moment avant de taper une balle. Donc voilà, moi c'est ma routine. J'aimerais juste vous donner un petit conseil qui peut paraître anodin, mais je vais le dire quand même. Il faut vraiment qu'elle ait un sens. C'est propre à chacun. Il y a évidemment des conseils à prendre à droite et à gauche, mais la routine, il faut vraiment qu'elle ait un sens. Le but, c'est vraiment de mettre en confiance et de se sentir à 100% pour pouvoir taper une balle de golf. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt sur les parcours de golf et bon courage à tous. Donc c'était Robin Ciot qu'on salue. Je vais te laisser intervenir Arnaud parce que tu le connais bien. Robin Ciot, juste une petite anecdote sur son année dernière et je trouve ça complètement hallucinant, formidable. Je vais peut-être me tromper, tu me corrigeras Arnaud, mais il a fini à quelques euros sur le Challenge Tour de pouvoir monter sur le Ouais, circuit européen. il a fini 16e, donc la pire place, entre guillemets. À quelques euros près, en ayant fini troisième du dernier tournoi. Deuxième. Deuxième, et à quelques euros près en ayant fini deuxième du dernier tournoi. Et malgré ça, il a une combativité qui est telle qu'il a réussi à se qualifier aux quarts du circuit européen en fin d'année en faisant des choses tout à fait incroyables. Donc on sait que c'est un jeune joueur qui est très talentueux et qui a surtout, comme Arnaud, du fight. Ah ouais, c'est sûr. Bah, Robin, ouais, on se connaît bien. Hein. Il est arrivé à Saint-Main, il avait 14 ou 15 ans. Je l'ai entraîné très longtemps. Et bah, super gamin, très combatif. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, justement, dans sa routine, bah, il l'a fait depuis longtemps, mais il l'a personnalisé. Ce qu'il disait, lui, il a besoin de tracer une ligne entre sa balle et le club pour pouvoir s'aligner. Donc, encore une fois, chacun doit pouvoir intégrer. Être partie prenante, c'est une routine qui doit être active dans le sens où chacun doit amener sa petite touche personnelle. On essaye de mettre Alex Lévy. Oui, On bien essaye. sûr. Je vous garantis rien parce qu'on n'arrive pas à envoyer
En fait, c'est un message vocal qu'il nous a laissé. Donc, on va essayer de faire le moins de bruit possible et vous me dites si vous entendez. Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Bon, je vais te faire un petit topo de ce que je pense de la routine. Déjà, la routine, je pense que c'est quelque chose qui te permet de rester dans le moment présent. Donc, peu importe à quoi tu penses et à ce que tu es en train de penser et ce que tu es en train de faire, ça te permet de revenir dans le moment présent. Après, je pense que ce qui est important pour ma part dans la routine, c'est, je dirais, il y a quelques étapes. Moi, pour ma part, commence par ça, comment me sentir, comment je me sens. Après, je pense que ce qui est important, c'est la prise d'info que tu prends pour nous avec le caddie ou tout seul. Par rapport à la prise d'info, il y a les sensations et la visualisation. Ce que tu sens, si tu sens le coup à réaliser, ou si tu es ce que tu vois, quelle trajectoire. Donc ça, c'est important. Et après, je pense qu'à partir de ça, il faut être le plus simple possible. Et une fois que tu as fait tout ça, je pense qu'après, il faut partir. Une fois que tu as senti, que tu as visualisé ce que tu voulais faire, tu fais 2-3 coups d'essai. Et après, tu te concentres, moi, pour ma part, sur la trajectoire que je veux réaliser. Donc voilà, et sans penser technique, juste en pensant à la trajectoire que je veux faire, moi c'est ce qui me permet de pouvoir réaliser le meilleur swing possible, de pouvoir penser à la trajectoire. Donc voilà, après c'est très personnel, il y en a qui doivent faire différemment, mais voilà comment je dirais à quoi sert la routine et comment je la conçois. Voilà. La bise. Ciao, ciao. Moi, j'adore. J'adore sur le comment on se sent. J'adore. Et alors, souvent sans pousser des ailes. Mais je pense que c'est important de comment on se sent, ce qu'on voit. Et voilà, même si je me répète, on a le même process, ben, il y a des choses sur lesquelles il faut s'adapter. Il y a des choses, il y a des fois, on se sent pas bien. Petite anecdote. Ce bracelet s'appelle Whoop. Tous les joueurs professionnels maintenant l'utilisent. Des joueurs professionnels, principalement du Senior Tour, adaptent leur routine en fonction de ce qu'ils ont vu avec ce petit bracelet le matin. Je m'explique très rapidement, sans vouloir embrouiller qui que ce soit, mais ça nous dit si on est en forme ou pas, pour résumer. Si on n'est pas en forme, routine beaucoup plus calme, avec des ailes justement qui vont être beaucoup plus faibles, tandis que si on a été fatigué, on a mal dormi, bah ok, on se sent pas bien, on a le droit de pas être bien, c'est la vie, c'est comme ça, bah on fait des choses beaucoup plus simples. Donc de faire en fonction de comment on se sent est pour moi quelque chose d'impératif aussi, et qu'Alex a bien mis en avant dans le message qui vous a envoyé. Donc voilà. Pour résumer, ce qu'on espère, on pourrait en parler pendant 50 ans de la routine. On pourrait, là, on a fait déjà 1h05, on va faire 1h10, on pourrait faire pendant 3 jours. Mais pour nous, et Arnaud, je te laisserai le mot de la fin, en tout cas pour moi, ce qui est important, et on n'a pas eu le temps de parler de l'après-coup, mais peut-être que ça sera l'occasion de se revoir Arnaud, c'est en 1, et comme l'a dit Dominique Judelin tout à l'heure, vous pouvez même, au départ, commencer votre routine avant d'arriver à la balle. Prise d'information. Exécution du coup, débriefing du coup. C'est comme ça qu'on voit cette globalité dans la routine, avec une prise d'information qui doit être la plus simple et la plus précise possible, de faire ce que vous devez faire, comme l'a dit Antoine Schwartz, et de surtout, vous mettre en confiance grâce à une prise d'information qui est logique, qui est simple, mais qui est complète, qui vous permettra d'avoir la bonne stratégie et de vous engager complètement dans le coup. Oui, bien sûr. Et puis surtout, voilà, comme disait Alex, c'est un moment... Il y a quand même l'aspect mental aussi qui rentre un petit peu dans la routine, puisqu'il y a des fois, forcément, vous allez être plus stressé, moins stressé, mieux dans votre partie, moins bien, mieux physiquement, etc. Donc, il y a plein de choses. Et puis, quand on joue des tournois à haut niveau avec des enjeux importants ou qu'on joue une compétition de club et qu'on sait qu'on a une belle carotte au bout de baisser son handicap ou encore une fois… pour les amateurs qui jouent en équipe aussi, quand vous avez toute l'équipe qui vous regarde et que vous êtes le dernier match qui compte, etc. Donc, il y a cet aspect mental aussi et être à l'écoute de son corps et de savoir où on en est. Donc, ça, pour moi, c'est important. Et puis, pour l'anecdote, je suis ravi que tu aies ce bracelet parce que toi qui en as grandement besoin, je pense que tu es souvent dans le rouge.
Absolument, malheureusement. Écoutez, voilà, on est resté ensemble quasiment 1h10. On pourrait y passer 3-4 heures. Peut-être qu'on va détailler un petit peu plus. Et peut-être, aujourd'hui, le but, c'était de globaliser, de réfléchir sur la routine. Si ça vous intéresse, qu'on refasse un live en décrivant qu'on vous structure une routine, depuis le moment où vous arrivez sur la balle jusqu'au moment où vous repartez de la balle. Si ça vous intéresse qu'on structure ça, il faut nous le dire immédiatement, comme ça on refait un live. Donc ceux que ça intéresse, vous avez 3 minutes pour nous dire oui, ça nous intéresse. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent, c'est le moment de nous le demander. Il nous reste, on espère, une semaine de live. C'est le moment de nous dire si ça vous intéresse qu'on vous détaille cette routine ou s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Si ce sujet vous a plu, des pouces ou des cœurs pour Arnaud. Et n'hésitez pas, pendant Très 3 des minutes, cœurs. pendant que Carnot donne le mot de la fin, n'hésitez pas à nous dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou si d'autres sujets vous intéressent. Non, encore une fois, merci Guillaume. Je pense que moi, je fais une parenthèse sur toi. Je pense que tout ce que vous avez fait depuis le début, c'est top. Et tu es franchement à l'écoute de tout le monde. Tu fais participer tout le monde. Et tu arrives à mettre en avant tes collègues, parce qu'on est quand même amis et collègues. Et ça, je trouve que c'est tout à ton honneur. Et Merci. puis, encore une fois, voilà, la routine, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi essentiel, surtout quand on fait du golf et du haut niveau. Il faut la travailler, j'insiste, au practice. Penser voilà, à la travailler, commencer à mettre éventuellement des ingrédients, à réfléchir aux ingrédients que vous voulez mettre dedans ou pas, en fonction de ce que vous avez un petit peu entendu pendant cette heure. Et puis n'hésitez pas à l'amener sur le parcours aussi et d'amener votre pro pour encore une fois qu'il vous rectifie ou qu'il vous justement au contraire vous affirme que ce que vous faites c'est bien aussi pour vous conforter dans votre façon de faire. Et si vous avez l'occasion, alors ça va être un petit peu compliqué en ce moment, mais si on a l'occasion d'aller voir voilà de très bons joueurs amateurs sur une compétition, que ce soit une Golfers, une Gounouillou ou une Mura ou une Mouchy, des choses comme Absolument. ça. Cette année, ça va être compliqué. N'hésitez pas à aller voir, puisqu'il n'y aura pas de spectateurs. Vous verrez les meilleurs joueurs avec un enjeu sportif. Donc, ce sera toujours intéressant à observer pour vous. Et encore une fois, quand on va voir des tournois professionnels, c'est vraiment essentiel. Suivez une ou deux parties phares qui vous intéressent parce que vous aimez les joueurs. Et puis, observez vraiment la routine, la façon de faire. Mettez-vous au practice. Regardez aussi la façon de s'entraîner avant une partie, etc. Faut vraiment s'inspirer de tout pour pouvoir se la construire et se la personnaliser à la fin. Génial, je pense que c'est. Tu pouvais pas mieux finir. Donc Arnaud, par contre, tout le monde souhaite qu'on détaille la routine. Donc écoutez, c'est un petit peu ce qu'on avait prévu avec Arnaud aujourd'hui, mais il y a eu tellement de questions et c'était tellement intéressant qu'on n'a pas pu aller en détail. Mais la prochaine fois, écoutez, on va recommencer un live et on va aller dans la détail sur comment exactement, quel est le process, quelle est la routine. On peut employer plusieurs termes pour très rapidement et pour Lionel Alexandre pour finir une petite boutade entre nous. Non, on fera pas de live sur la Ligue des Champions, mais bientôt peut-être. À très vite. Merci à tous. Merci beaucoup Arnaud, et à Merci très vite pour Guillaume. un nouveau live. Merci, bye bye.